Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de jeux, on va parler de loto, on va parler de verre, de création, de millions et de millionnaires. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Sur le plateau de Femmes aujourd'hui, deux femmes comme d'habitude. À ma droite, il y a Fabienne Clos. Comment ça va, Fabienne? Ça va très bien. Ça va? Oui. Très active ces temps derniers. Oui, très 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 active. Un peu fatiguée, mais je suis présente. En tout cas, merci d'être là. Merci. Oui, tout à fait. À ma gauche, il y a Liliane Elben. Comment ça va, Liliane? Ça va très bien. Ça va? Comme ma Fabienne. Voilà, comme Fabienne. Voilà. Un petit peu fatiguée. Voilà, mais pas trop stressée quand même pour Femmes. Non, ça ira. Vous disiez que vous n'aviez pas l'habitude. Oui. C'est une première, en tout cas. Bon, moi, j'ai déjà fait un plateau télé voilà. Dans mon ancienne vie, mais ce n'est jamais évident. Oui. En tout cas, ça, c'est comme à la maison ici. Merci d'être là, de nous accorder un petit peu de votre temps. Et je suis sûre qu'on va passer un bon moment. On a des choses à apprendre de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Fabienne? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, Fabienne Clos, je suis originaire de Chelles-Cher. Mm-hmm. Je suis artiste verrier, formatrice au CERMAC, voilà. Dans l'atelier filage du verre. Alors, quand on dit artiste, qu'est-ce que ça t'évoque, artiste verrier, Liliane? Pour moi, c'est l'art, c'est la déco de la maison. C'est, l'artiste verrier, c'est vrai que je vois le feu, en tous les cas, de beaux objets pour décorer chez moi. Moi, ça me fait penser. Tu sais ce que ça m'inspire? Je pense à Murano. Tout à fait. Ça me fait penser à Murano. Tout Murano, c'est Venise, c'est du verre, voilà, des chandeliers. Tu fais ça? Tout à fait. Alors, justement, je travaille le verre de Murano avec mes élèves. J'utilise surtout les baguettes de Murano. Tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que c'est, s'il te plaît, parce que vraiment, on va parler technique un petit peu. Il n'y a pas de souci. C'est beau, effectivement. Donc, il y a la décoration, puis il y a des œuvres d'art aussi. Tout à fait. Il y a des choses utilitaires aussi que tu fais. Alors, comme je suis j'ai été formée en art plastique, puisque j'ai un DNAP en objet spécialité. DNAP, s'il te plaît, Diplôme National d'Art Plastique. D'art Plastique, okay. Option Design. Donc, effectivement, je suis plus orientée vers l'objet. L'objet utile. Oui, l'objet utile. Donc les services. Qui répondent effectivement à un besoin. D'accord. Dans la maison. Voilà. OK. Liliane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Liliane Elben. Je suis aujourd'hui la déléguée régionale Antilles-Guyane de la Française des Jeux. Oui. Depuis un peu de temps, puisque c'est depuis le 2 janvier que je suis à la tête de la Française des Jeux en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. C'est vrai que j'ai parlé de millions de millionnaires, on va en parler. On est intéressé par est-ce qu'il y a beaucoup de millionnaires? Alors, c'est en dernier. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? Les gens qui ont gagné 53 millions? Pas vrai, non, mais bon. Vous parlez ça, Fabienne parlait non, ça. Fabienne est dans sa bulle de verre. Étant donné que je ne suis pas joueuse du tout, donc ce n'est pas vraiment. C'est pas vraiment ton truc. On va quand même. En tout cas, merci d'être là, Liliane. Et puis, tu as eu une autre vie avant d'être à la FDJ, tu étais dans les médias. Ben, j'étais à France Antilles, effectivement. J'ai été, oui, tout à fait. J'ai passé quand même 28 ans, donc toute la première partie de ma carrière. Oui. À quel poste? Alors, j'ai commencé sur le terrain. J'étais inspecteur des ventes. On appelle ça un commercial terrain, c'est un inspecteur des ventes. Mm-hmm. Puis j'ai évolué. J'ai été l'assistante du responsable diffusion. Puis je suis devenue directrice départementale, donc en Martinique, de la diffusion. Et j'ai terminé à partir de 2016. Donc j'ai terminé en tant que directrice régionale de la diffusion. Mais la diffusion de France Antilles. La diffusion pour France Antilles, c'est quoi? Ce sont tous les points de vente et les abonnés. Tu t'occupais pas du digital? Si, bien sûr. Aujourd'hui, enfin, on profite de toi. C'est vrai que qu'est-ce que tu penses du PAM, ce qu'on appelle le paysage audiovisuel martiniquais? Donc, il y a un seul quotidien. Enfin, ça fait des années d'ailleurs. La Martinique, c'est un peu singulière. Martinique et Guadeloupe. Guadeloupe, hein, aux Antilles. C'est pas le cas à La Réunion, qui est un plus grand pays. Mais certes, nous, on n'a qu'un quotidien. Donc, il y a une situation de monopole. Il y a une situation, il y a le digital qui monte, c'est compliqué, non? Par contre, au niveau du digital, c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence, parce que tous les médias ont un précisément. Site. Mais au niveau papier, oui, effectivement, il n'y a que France Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, effectivement. Tu crois, je ne sais pas si tu peux répondre, mais tu crois à l'avenir du papier encore, toi? Je pense que aujourd'hui, on a encore des lecteurs papier qui tiennent au papier, qui aiment lire, sentir le papier, mais...
de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, les personnes suivent les informations sur le digital. Par exemple, nos enfants, est-ce qu'ils lisent même le digital? Oui, elles peuvent. Moi, mes filles, c'est certainement parce que j'étais dans le milieu, elles ont les alertes France Antilles. Mais effectivement, aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle ne s'informe pas sur le papier. C'est digital clair. Et malheureusement, ça passe également par les réseaux sociaux, WhatsApp et donc un petit peu de désinformation. Je trouve ça un peu dommage. Mais ils sont contentes. Oui. Fabienne, tu t'informes comment ? Ben justement, je m'informe déjà. Enfin, je regarde encore le papier parce que je reçois... France Antilles ? Oui, le France Antilles. Okay. Par Internet. Oui, tu es abonné à France Antilles. Par Internet. Mais oui, non, mais tu n'es pas le papier, non, en fait. Tu es digital. Mais ça m'arrive aussi de pouvoir l'acheter en magasin quand je n'ai pas le temps d'aller sur Internet, de l'acheter pour le lire, oui. Je suis sûre que parce que tu as fait une exposition il y a quelques temps à la Villa Chanteclair, je suis sûre que tu as le papier, tu as gardé le papier. Ah oui, j'ai tout gardé. Tu as les prendre de toi. Oui, j'ai gardé par Internet et sur le France Antilles. Pour envoyer ça à la famille, pour envoyer un plus à la famille. Tout à fait. Et j'ai gardé parce qu'on ne sait jamais. On a toujours besoin de ça, même pour nos Facebook ou autres. Oui. On peut effectivement perdre les documents numériques, mais on sait qu'on a les exemples papier. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que, en fait, tout à l'heure, tu as dit, oui, ça, il faut en parler les réseaux sociaux, malheureusement. Parce qu'effectivement, toi, tu as le réflexe d'aller sur de l'information. Parce que les journalistes, il y a des journalistes à France Antilles, que ça soit digital ou que ça soit papier, ils font de l'info. C'est leur métier de faire l'info. Alors que des fois, les gens te disent, je m'informe sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Oui, c'est ça. Enfin, les journalistes sont censés vérifier la source d'information. C'est pour ça que je disais malheureusement. D'accord. Parce qu'on a souvent de fausses informations qui viennent par les réseaux sociaux. Et alors, vos formations initiales académiques, c'est quoi? Toi, tu as fait, donc, tu t'es formé ma formation initiale. Comment ça, au vert? Tu t'es formé au vert? Comment on dit, c'est tout à fait ça, la formation dans l'art verrier. Voilà, dans l'art verrier. Voilà, c'est plutôt comme ça, on va parler de formuler la chose. Ma formation initiale, c'est pas ça. C'est quoi ta formation initiale? Alors, au départ, j'ai fait un bac technique de maintenance des systèmes automatisés, ce qui n'a rien à voir. Rien à voir. En même temps, c'est en lien, parce que j'ai envie de dire que tout mon cursus me sert jusqu'à aujourd'hui. Et je suis partie de ça pour pouvoir aller vers tout ce qui était formation socio-culturelle. Donc là, j'ai appris à monter des projets culturels. Et puis, tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé l'art. Donc je me suis toujours intéressée. J'ai toujours été, ne serait-ce qu'au CIRMAC. J'étais élève au CIRMAC. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait au CIRMAC? De la photo, de la poterie, du dessin. Et en fait, ça a toujours été ce parcours-là que j'ai eu. Et puis, tout au long de mon parcours professionnel, comme c'était quelque chose. Il faut dire qu'au départ, mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse de l'art. Pourquoi? Ils te disaient qu'on ne gagne pas sa vie comme voilà, ça. Voilà, c'était ça. Et cette frustration fait que j'ai toujours été en quête à côté de mon travail, été en quête de tout ce qui me passionnait dans le domaine de l'art, c'est-à-dire le design, l'art, l'artisanat aussi. Et j'ai fait beaucoup de formations dans ce sens. C'est vrai. Et c'est une formation que j'ai suivie en France. Et ce sont des amis qui étaient dans l'art verrier qui m'ont initiée. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et là, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, j'avais trouvé en fait mon matériau, de prédilection. Parce qu'il y a des matières qui nous parlent plus que d'autres. Et moi, c'était toujours le vert. Dès l'enfance, ça a toujours été le vert. Mm-hmm. Je me rappelle quand j'étais enfant. Je me baladais sur les plages et j'allais ramasser le verre des polis sur les plages. Et ça, c'était magnifique parce que je les regroupais, je faisais plein de choses déjà avec. Et ça m'a rattrapée au fil du temps et c'est revenu. Ça a été mon matériau de prédilection. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut paraître singulier aux Antilles de privilégier le verre. On pense plus au bois, au sable. Mais il y a le sable aussi. Le verre, c'est du sable. Tout à fait. C'est vrai. Le verre, c'est du sable, Sable. C'est de la silice. Mmh. C'est mélangé à de la chaux, de la soude et de l'arsenic. Mais tu fabriques des choses à partir du verre d'ici? Non, pas du tout.
Alors là, non, il faut quand même un traitement particulier hein, pour pouvoir. On ne peut pas prendre le sable des plages comme ça pour pouvoir faire du vernis. C'est pas possible. Il y a un traitement spécifique pour pouvoir arriver à un sable, un verre, si vous voulez, pour un sable utilisable pour faire. Voilà, il faut arriver effectivement à un sable qui puisse avoir toutes ses propriétés pour pouvoir faire fabriquer du verre. J'avoue que j'apprends quelque chose. Hein, voilà. Le verre vient du sable? Ah, tu savais ça? Non. C'est bien ça, non? Oui, c'est bien de la silice, oui, tout à fait. Tu pensais que ça venait d'où? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé en fait la question. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les gens ne savent pas, mais ça vient déjà, la matrice en fait du verre, c'est la silice. La silice, voilà. Et c'est dans le sable. Oui. Sauf qu'il y a du traitement. Oui, il faut avoir des traitements. Par exemple, je dis n'importe quoi. En fait, quand on pense au sable d'ici, le sable par exemple, du Nord, tu as du quartz. Mm. Le quartz n'est pas utilisé. Alors, moi, je ne suis pas chimiste, comme je dis et comme on nous a appris en formation, il faut effectivement un traitement pour le sable pour qu'on arrive effectivement au verre. Après, j'ai été formée effectivement par des ingénieurs. Mm-hmm. C'est eux qui connaissent les traitements qui se font. C'est un peu technique. Voilà. Alors, j'ai lu que tu avais été formée aussi au Centre européen de recherche de formation aux arts verriers. Voilà. Le CERFA avec eux. Voilà, tout à fait. C'est quoi? C'est l'élite des verriers, c'est quoi? Eh bien, c'est l'une des plus grandes écoles d'Europe. Ah ouais. Et justement, c'est dans cette école que j'ai été formée effectivement par quand même un professorat de haut niveau qui était composé justement d'ingénieurs. Mm-hmm. Ils ont un pôle de recherche effectivement et c'est dans ce pôle de recherche qu'ils font beaucoup d'innovations dans le verre. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'effectivement, le verre est utilisé dans beaucoup de domaines, même dans la médecine, le verre est utilisé. Et toi, ta formation académique, Liliane, c'est Moi, j'ai une maîtrise de sciences de gestion, option marketing. Et c'est pas artistique, tout ça? Non, absolument pas. Mais est-ce que tu... C'est administratif. Tu as déjà évolué dans le milieu de l'art? Non, absolument pas. C'est mon mari qui aime l'art. Donc, c'est vrai qu'on a acheté quelques tableaux, notamment du peintre Maire. Qui vient de c'est plus mon mari qui a cette fibre artistique. C'est plus lui qui décore la maison, plus que moi. Ouais. Et alors, finalement, ton hobby, c'est quoi? C'est de faire du grattage sur non, absolument pas. Sur les horoscopes, c'est quoi, banco? Moi, c'est millionnaire. C'est plutôt le sport, j'avoue. Ouais. C'est ma soupape. C'est vrai. Je fais pas mal de sport, même si en ce moment, Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je vais en salle ou bien je cours, je vais me balader sur les plages, au bord des plages de Sainte-Luce. Mmh. Voilà, c'est surtout ça, principalement mon hobby. Et j'aime la lecture quand j'ai le temps, ça. D'accord. C'est pareil, au bout d'un moment. La directrice régionale de la Française des Jeux, la Martinique et la France, il y a des joueurs et des joueurs, ne joue pas au match. Tu crois pas au hasard? En fait, je le faisais auparavant. Oui. Et j'avoue, comme j'ai joué une fois, deux Chaque fois. J'ai devenu millionnaire, donc c'est bon. Je ne serais pas là. Je ne serais pas là si j'étais devenue millionnaire. Oui. J'aimais aller acheter les tickets pour ma maman, puisqu'elle aimait beaucoup les gratter. D'accord. Mais ça ne nous incite pas quand on perd, quoi. Donc, oui, mais pardon, j'aime bien la pub, moi, excusez-moi. Pub, alors, séquence pub. Tous les gagnants ont joué. Tous les gagnants ne sont pas gâchés. Il n'y a aucune raison que. Mais moi, je connais autour de moi, j'ai des gens qui ont gagné. Moi, je n'ai jamais gagné. Mais j'ai des gens qui ont gagné, mais ça fait rêver. Mais il y a beaucoup de gagnants. Enfin, moi, c'est une chose que j'ai découvert. Parce que tu parles là depuis très longtemps. Non, depuis le mois de janvier, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gagnants. Bon, je suis aujourd'hui, le siège social de la Française des Jeux est en Martinique, mais c'est la même chose en Guadeloupe. Mmh. Depuis le début de l'année, en 6 mois, il y a déjà eu quasiment 200 gagnants de plus de 2000 euros. Mmh. Et donc, quand on enlève les 53 millions, puisqu'il y a eu un multimillionnaire... Oui, on va y revenir. Il y a quand même plus de 3 millions qui ont été reversés aux Martiniquais, plus de 2 millions aux Guadeloupéens et quasiment 500 000 euros en Guyane. Quoi. Donc les gens gagnent, les gens jouent et les gens gagnent. Oui, parce que voilà, Fabienne n'est pas sur notre planète, on l'a dit. Donc il y a eu un couple qui a gagné 53 millions. Alors 3, 8, c'est pas la peine de jouer comme ça parce qu'il n'est déjà pas assez bon état. Donc 3, 8, 18, 34, 49. Moi, c'est pas mes chiffres, moi.
C'est pas cela que je joue, mais voilà, voilà, tout s'explique, c'est pour ça que je n'ai pas gagné. Étoile 3 et 7. Ce couple a gagné donc 53 041 075 €. Oui. En fait, il a joué pendant 10 ans la même combinaison. Chose, ouais. Et il a décidé Il a été persévérant. Voilà. Il a décidé de changer. Ah, d'accord. Il a vu un magazine, il s'est dit, je vais prendre des numéros dans ce magazine. Il a joué une première fois, il n'a pas gagné. Il a joué une deuxième fois. Bingo. Alors, est-ce que tu peux... Alors, tu sais quoi, je tease là, suspense. On va parler d'abord de focus et puis après, on va parler de ça. Focus. Voilà, retour sur le plateau avec mes invités, donc Fabienne Clo et Liliane Elben. On était en train de parler de jeux, on était en train de parler de millionnaires et de millions. Voilà, on va venir un petit peu dans la petite cuisine, sans dévoiler le nom même de ces fameux millionnaires martiniquais. On n'a pas le droit et on comprend pourquoi. Mais dans Focus, je veux quand même vous parler de jeux. Je cherche mes petits papiers. Donc, je voulais vous parler de jeux et de sexisme dans les jeux vidéo. Avec ces captures d'écran qu'on va voir derrière moi, d'articles de La Croix et de France Info, en fait, c'est une c'est le compte rendu d'une étude qui a été commanditée par une société qui évolue dans le jeu à propos du lien entre le jeu vidéo et le sexisme. Et en fait, il apparaît que finalement, il y a beaucoup de sexisme dans le jeu vidéo. Voilà, j'ai retrouvé mes petites feuilles. Donc, c'est une étude qui s'est tenue du 17 au 29 mars 2023 à la demande de GamerTop auprès de plus de 5000 personnes. Et en fait, la majorité des joueurs qui ont été testés de jeux vidéo adhèrent à au moins un stéréotype sexiste. Par exemple, pour 22% des joueurs qui se disent plutôt gamers, donc qui jouent assez régulièrement, le travail d'un homme est de gagner de l'argent et celui d'une femme est de s'occuper de la maison et de la famille. 28% des joueurs qui se disent très gamers adhèrent à cette proposition sexiste. Et alors, le parallèle de ça, c'est que les femmes qui jouent aux jeux vidéo, puisque les femmes ont le droit de jouer aux jeux vidéo, d'accord ? Eh bien, elles pratiquent l'évitement. 4 femmes sur 10, mais par exemple, ne disent pas qu'elles sont des femmes. Voilà, pour échapper, par exemple, aux remarques qui diraient « Ah, vous jouez mal », etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? En fait, le sexisme s'insinue partout. Qu'est-ce que toi, de la déléguée régionale de la FDJ, je ne sais pas s'il y a du sexisme parmi les joueurs de loto. Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres-là ? Le sexisme qui va jusque dans des... Finalement, dans le jeu, quoi. C'est un petit peu ridicule, non ? Oui, moi, je suis un petit peu étonnée de me rendre compte qu'à ce niveau-là... dans un jeu, on pourrait être effectivement, on ferait référence au sexisme. Je suis un petit peu surprise. Voilà, par exemple, il y a 40% des femmes, selon ce sondage, qui jouent aux jeux vidéo, qui ont déjà été victimes de sexisme. 24% ont reçu des remarques sur leur physique, 23% ont reçu des commentaires sexistes sur leur niveau de jeu, et 23% ont essuyé des propos obscènes. Voilà. Donc, juste derrière l'écran, donc on est derrière l'écran, mais il y a quand même des chats. Oui. Et donc, ce sont des choses qui transpirent jusque-là. C'est vraiment... Je trouve ça malheureux, je trouve ça dommage. Oui. Tout à fait. Finalement, on se rend compte que dans tous les domaines de la société, il peut y avoir du sexisme. Ce n'est pas seulement dans le milieu professionnel ou dans la rue. Mm-hmm. Ça va jusque dans les jeux, derrière son écran, chez soi. Vous en avez déjà souffert, vous, de sexisme dans pas du tout. Et en fait, je suis, comme je viens de dire, un peu surprise que ça aille jusque-là, même dans les jeux. Donc, ça crée quand même. Parce que des fois, tu sais, il y a des jeux, par exemple, des jeux un peu violents, des jeux un peu, peut-être, peut-être voiture, ou des jeux, par exemple, de guerre. Tu vois, peut-être que certains estiment que c'est le domaine réservé des hommes, peut-être. C'est peut-être ça. Oui, certainement. Mais bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, heureusement, on a de plus en plus de jeunes filles qui n'hésitent plus à faire des carrières dites masculines. Elles sont encouragées d'ailleurs régulièrement dans les écoles et elles montrent de toute façon qu'elles peuvent le faire également. Mais c'est sûr qu'elles doivent se battre deux fois plus. Il y a beaucoup plus d'hommes dans ce milieu, dans ton milieu d'artiste verrier ou dans ta formation, par exemple, tu as croisé des hommes, des femmes plutôt? Oui, j'ai croisé des femmes, puisqu'on était quand même, on dirait, en tout cas dans ma section, on était moitié homme, moitié femme. Hein, c'était un rapport équilibré entre les deux sexes. Aujourd'hui, de plus en plus, oui, il y a des femmes qui se dirigent
vers ces métiers-là, même si c'est très difficile, mais il y a des femmes qui se dirigent vers ces métiers-là. Je voulais signaler que la CEO, donc la patronne de la Française des Jeux, c'est une femme. Oui, qui s'appelle Stéphane. Voilà, elle s'appelle Stéphane Palès, donc, qui dirige donc, la FDJ depuis 2014. Oui, oui, ça fait un moment. En plus, elle est nommée par le gouvernement. Hein, donc, C'est une grosse boîte, hein, la Française des Jeux. C'est une boîte avec un chiffre d'affaires impressionnant, des résultats aussi impressionnants. Alors, je lisais le capital, parce que c'est un capital un peu particulier. Donc, il y a l'Union des blessés de la face et de la tête. C'est la fondation, effectivement. Voilà. Bon, ça vient de la guerre, en fait, l'auto. Oui, les gueules cassées. Les gueules cassées, exactement. Voilà. Donc, il y a une fondation qui continue d'aider, d'ailleurs. Mm-hmm. Cette fondation vient de fêter ses 30 ans. Et donc, elle aide les associations, une centaine de personnes ou de projets chaque année. Donc, voilà. Donc, il y a effectivement... Même localement. Donc, l'agence des participations de l'État, donc 20% du capital, etc., etc. Donc, je parlais du chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires global de la Française des Jeux au niveau national, c'est 2,5 milliards d'euros en 2022, mais avec une grosse contribution publique, donc, puisque 4,1 chiffre d'affaires, 2,5 d'euros en hausse en 2022. Et puis donc les impôts, alors c'est bizarre, 4,1 milliards de prélèvements publics. Donc il y a une incompréhension en fait. Oui. Parce que non. Non, en fait, c'est vrai que la Française des Jeux contribue au PIB national. La Française des Jeux contribue également à aider les commerces de proximité, puisqu'on a près de 30 000. Commerce de proximité sur le territoire national. Et bien entendu, sinon, il y a 3000 collaborateurs à la Française des Jeux. Donc, et voilà. Puis le reversement, bien entendu, aux joueurs. Voilà, le reversement, c'est là où je me suis un petit peu embrouillée. Le total, en fait, des mises, c'est 20,6 milliards d'euros. C'est énorme. Donc ça donne le montant du jeu, effectivement, en France. Oui, les Français jouent, mais bon... c'est pas la seule loterie mondialement. Oui. Les plus grosses loteries, en fait, c'est en Chine. Il y en a deux en Chine. Oui, les deux plus grosses. Bon, déjà par le nombre, parce qu'ils sont nombreux, les Chinois. Oui, tout à fait. En Chine, et la troisième, c'est en Italie. Et la France vient en quatrième position. OK. Jingle, mot de femme. Retour sur le plateau avec mes deux invités, Fabienne Clos. On parle d'art, on parle de création et de verre. Et puis on parle du loto aussi avec Liliane Elben. On parlait donc du fait que la FDJ avait déjà, au cours de cette année, versé beaucoup d'argent en fait aux Martiniquais et aux Martiniquais qui jouent beaucoup, comme au niveau national. Oui, pas plus qu'au niveau national. Pas plus qu'au niveau national, non. Non, c'est pas plus. Ils sont plus orientés grattage, nous dirons. Oui. Et en Guyane, c'est plus les paris sportifs. Mais aux Antilles, c'est plus le grattage, effectivement. Et alors, revenons à ce couple, effectivement, donc, qui a changé un petit peu ses habitudes, ce monsieur qui dit... Donc, on ne va pas dire qui c'est, bien entendu. Non. Mais bon, il y a eu des articles dans France Antilles. Oui. Hein, donc, il garde l'anonymat, bien entendu. On imagine pourquoi. Mais 53 millions, il se dit qu'on a un traitement particulier quand on a gagné autant d'argent. Même avant, peut-être, non ? Non, en fait, à partir du moment où le gagnant se présente donc à l'agence... effectivement, il est pris en charge tout de suite par le service Grand Gagnant. Donc ces personnes sont venues vous voir. Oui, bien sûr. Ils viennent à l'agence et donc on appelle Isabelle Césaré, qui est donc la responsable du service Grand Gagnant. Et donc elle parle avec eux, elle discute avec eux pendant un petit moment. Et puis en fait, quand on se déplace dans l'Hexagone, puisque je les ai accompagnés, en fait, elle parle avec eux, elle leur donne effectivement des informations. Ça dure au moins minimum 2 heures. Effectivement, elle leur donne tous les éléments, tout ce qui pourra les aider en fait à redescendre en pression. Et en plus, ils sont vraiment entourés. Il y a des ateliers qui sont prévus. Parce qu'on n'est pas prêt à ça, quoi. Surtout 53 millions. À partir de 1 million, vous pouvez participer à ces ateliers. D'accord. Donc, vous avez plusieurs ateliers par an. Et donc, on vous donne des informations pour vous aider à faire les bons choix. Mais c'est quoi les informations ? C'est quoi ? Vous avez des notaires, vous avez des banquiers, vous avez également des personnes qui vous entourent par rapport au changement de vie. Voilà, la psychologie. Exactement. Et en plus, vous rencontrez d'anciens gagnants.
donc qui vous parlent de leur expérience. Oui, ça, oui. C'est bien. Donc ils ont déjà prévu, ce sont déjà, il y en a à peu près une dizaine par an, et donc soit via Teams, soit effectivement en présentiel. Bon, maintenant, je pense qu'ils auront les moyens d'y aller en présentiel. Ils ont d'ailleurs prévu d'en profiter pour visiter la France parce que c'est généralement aux quatre coins de la France. D'accord. Mais ils sont vraiment entourés. Ils ne sont pas lâchés comme ça. C'est volontairement. Mais pourquoi ? S'ils ne veulent pas le faire. C'est quoi le vécu des gens, des gagnants ? C'est quoi les précédents ? Il y a des gens, on peut imaginer donc ceux qui ne sont pas préparés, donc ils vont claquer tout. Qu'est-ce que ça peut provoquer chez les gens ? Écoute, j'en ai pas entendu parler, mais bon, en règle générale, une chose que j'ai apprise, que j'ai trouvée assez paradoxale, c'est que les grands gagnants, les gagnants continuent de jouer, même quand ils ont gagné ils jouent à peu près le même montant. Ils jouent à peu près. C'est par plaisir. Non, c'est par plaisir. C'est juste par plaisir. Oui, tout à fait. Ils continuent de jouer par plaisir, en fait. Et souvent, bon, il y en a qui décident. Bon, par exemple, les Martiniquais, ils ont décidé de mettre sur pied de monter des entreprises. Oui. Donc, c'est un peu le bonheur par ricochet. Ils en font profiter, en fait, à d'autres. Exactement. Mais ça, toi, c'était ta première expérience. Oui. Tu n'en as pas eu d'autres depuis ? Non, écoute, ça faisait déjà depuis 2013 qu'il y avait eu un multimillionnaire. Il y avait eu 13 millions, 53 millions. C'est tombé. On m'a dit que je portais chance. Donc. C'est vrai ? Oui. Il y a eu un millionnaire avec My Million. Il a gagné un million il y a une quinzaine de jours. Il y a eu plusieurs gagnants à 500 000 euros. Je vous dis. Ici, oui. Ici, on gagne. Oui. D'accord. Et il y a des gens qui font des dons. Bien sûr. Mais est-ce que tu traces après les gagnants ? Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus ? En fait, si ils acceptent de participer à ces ateliers, ils sont suivis, en fait. Mais c'est vraiment une démarche volontaire. Hein. Fabienne, est-ce que tu sais ce que tu ferais avec 53 millions ? Ah, mon Dieu. La première chose que tu ferais, c'est quoi ? Ah, moi, j'aurais bien aimé faire un tour du monde. C'est vrai ? Ah oui, c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Et puis, écoute... Mais tu sais que tu n'as pas besoin de gagner 53 millions. Oui, tu m'as dit qu'est-ce que je voudrais faire dans l'immédiat. Je me dirais ça, mais j'aurais voulu effectivement placer cet argent. Justement, profiter de cet accompagnement-là que la Française des Jeux aurait pu me donner pour pouvoir bien placer cet argent. Oui, tout à fait. D'accord. Et tu aurais fait des dons ? Tu as de poser la question ? Oui, pourquoi pas ? Parce que, je sais qu'il y en a effectivement qui ont besoin aussi, faire des dons. Mais dans l'immédiat, ce serait vraiment faire quand on gagne, si on gagne le gros lot, on est imposé sur ça ? Non. Ah oui ? Sauf si vous le placez. D'accord. Là, vous avez les impôts. Mais les 53 millions, il faut bien en faire quelque chose. On est obligé de les placer. Si vous les laissez sur votre compte, non, c'est non imposable. C'est non imposable. Les gains au jeu... Donc, il faut laisser ça sur un compte à vue, en fait. J'imagine que effectivement, ils sont conseillés de toute façon. C'est un gros compte à vue, là. J'ai plus jamais découvert. C'est pas imposable. Non. OK. Mais en fait, ce que gagnent ces multimillionnaires, c'est... Bon, effectivement, c'est un gain matériel, mais c'est également un gain immatériel, en fait. C'est plus de liberté, plus de temps pour s'occuper des siens, plus de temps pour s'occuper de soi et ne plus en fait s'inquiéter pour le lendemain. C'est un peu les deux aspects. Quoi. C'est vrai que j'aurais pensé qu'effectivement, il serait imposable effectivement dessus, mais là, j'apprends quelque chose. On va revenir un peu sur terre, parce que ce n'est pas nous qui avons gagné 53 millions, même si on en rêve quand on joue. Donc toi, ton métier aujourd'hui, c'est artiste verrier et tu enseignes. Aussi. Oui, tout à fait. Tu interviens donc dans les ateliers du CERMAC. Oui, auprès d'un public qui est pas seulement de jeunes, c'est des personnes aussi. C'est de tout âge. Mon atelier, on peut y accéder à partir de 18 ans jusqu'à pas d'âge, je dirais ça comme ça. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ah ça fait déjà quand même 10 ans que l'atelier est sur le CERMAC. Et ça fait quand même 2 ans que je suis revenue, puisque je suis partie faire une formation justement au CERFAV, le Centre européen de l'art. De recherche, de formation aux arts verriers. De formation aux arts verriers. Oui. Et justement, j'ai fait une spécificité au soufflage à la canne. C'est quoi ça ? Alors. Quand tu me dis canne, je pense à canne à sucre, mais c'est pas. Non, non, c'est pas. Voilà, c'est voilà. Pas moi, ça. J'en mets c'est pas aussi. La canne. Voilà. Je me suis dit. Je me dis, c'est quoi soufflage canne ? Voilà, bon, non, explique-nous, s'il te plaît. Eh bien, c'est vraiment travailler en tant que souffleur de verre. On souffle à la canne. Oui.
Et en fait, c'était cette pratique que je n'avais pas encore. Alors, la genèse de tout ça, hein, c'est, ça remonte déjà à 3 ans. Pendant le Covid, hein. Pendant le Covid, où Mme Bétis m'avait demandé... Lydie Bétis. Voilà, elle m'avait demandé de travailler sur un projet bien spécifique. Je voulais chercher un process de fabrication. Et je n'avais pas tout le matériel, donc j'ai trouvé une façon de créer les œuvres qu'elle voulait. Et quand elle a vu les résultats, elle m'a dit, mais bon, comment on aurait pu pousser justement cette technique beaucoup plus loin? Et puis tout naturellement, je lui dis en soufflage, quoi, soufflage à la canne. Et elle me dit, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas de partir en formation, faire cette option-là? Et puis, ben, c'est comme ça que je suis partie, hein, avec l'accord de la hiérarchie, je suis partie faire 2 ans de formation. Et donc, à la canne. Et donc aujourd'hui, donc, au CERMAC, donc, tes élèves, donc, il faut qu'ils aient plus de 18 ans. Oui, ouais. Mais on va pas. Je sais pas encore si on va pratiquer cet art-là, parce que bon, ça demande un équipement quand même spécifique. Assez important. Donc, mais quand on fait, excuse-moi, quand on fait pas à la canne, on fait comment? Alors, il existe, hein, on peut déjà faire, déjà, ne serait-ce que dans ma technique, la technique du filage, ce que j'enseigne déjà, oui. On peut déjà souffler des perles de verre. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire, on peut le faire non seulement avec la technique sur le mandrin, mais on peut le faire aussi avec des petites cannes que l'on utilise, qui sont vendues pour ça aussi. D'accord. Et donc, j'ai une question. Il n'y a pas d'impact sur les poumons quand on souffle? Non, pas du tout. Ça, en fait, les gens pensent... C'est comme la cigarette, Liliane. Non, les gens pensent qu'effectivement, il faut avoir beaucoup de souffle pour pouvoir souffler à la canne. Mais en fait, c'est une question de technique. Mais c'est quoi la technique, alors? Eh ben, tu apprends à respirer? Non, il faut juste souffler vraiment... souffler très fort dans la canne, il a bouché tout de suite pour que l'air puisse parcourir la canne. Et il faut en même temps tourner la canne pour que ça arrive, si vous voulez, dans le verre de façon, je dirais, assez linéaire, hein, pour que la répartition du verre soit uniforme et qu'on puisse ensuite la souffler un peu plus pour pouvoir obtenir la forme. D'accord. C'est mystérieux, oui. Hein, oui. Tu sais, je regarde Lydia, elle est très intéressée, elle va aller faire un petit tour. Hein, c'est vrai. Et tout à l'heure, tu parlais du verre de Murano. Oui. Pourquoi c'est aussi mythique, le verre de Murano? Mythique. Parce que on a l'impression que c'est un verre de qualité, qu'il y a des techniques très particulières. C'est un verre qui vient de l'île de Murano. Hein. C'est les premiers verriers, les premiers qui ont créé l'art verrier, c'est les Italiens. Et ça vient de l'île de Murano. Et quand on travaille le verre de Murano, c'est un verre qui est de qualité et qui est reconnu par... les grandes cristalleries, les grands verriers, c'est ce type de verre qui travaille. Mm-hmm. Ça, le verre de Murano, on le retrouve dans tout ce qui est l'art verrier, les œuvres de luxe. C'est vraiment... C'est des lustres, c'est des verres. Vous allez retrouver ça chez Baccarat, Dôme, Lalique. C'est toutes ces grandes marques-là. C'est ce qu'ils utilisent. C'est ce verre-là qu'ils utilisent. Et le cristal, enfin... Après, vous avez deux types de verres. Hein. Vous avez le verre sodocalcique. C'est un verre qui est très tendre. C'est celui que j'utilise avec mes élèves. Au niveau des chocs thermiques, c'est un verre qui est facilement, je dirais, qui se casse très facilement. Mm-hmm. Et puis, vous avez aussi le verre qu'on appelle le sodocalcique. Le borosilicaté. Mm-hmm. C'est un verre qui est beaucoup plus dur. C'est l'équivalent du pyrex. Mm-hmm. C'est un verre que l'on utilise pour excuse-moi, un pyrex. Oui, voilà, si vous voulez, c'est l'équivalent des tubes à essai que l'on utilise dans les laboratoires. Oui, voilà. Et c'est un verre qui, au niveau des chocs thermiques, il résiste, quoi. Et c'est justement, j'ai appris aussi à travailler ce verre-là il n'y a pas très longtemps à l'école aussi. Et comment tu... Vas-y. Non, mais Liliane, vraiment, si tu veux faire l'interview, ça me va aussi. Vas-y, s'il te plaît. Comment tu proposes donc tes œuvres aux Martiniquais, en fait? Tu fais par Internet? Je viens de revenir de cette formation. Donc, comme a dit Barbara, on a travaillé sur... j'ai fait la formation. Dans cette formation, j'ai travaillé sur deux œuvres.
tant en design qu'en art. Dans cette école-là, on nous apprend à travailler sur, sur ces deux champs mm-hmm. artistiques. Et à partir de ces œuvres-là, le résultat, il était présent. Hein. Madame Bétis, elle a vraiment apprécié ce travail-là. Et elle a voulu faire connaître justement cet art-là en Martinique. Et on a monté un projet d'exposition depuis la métropole. Mm-hmm. Donc j'ai sélectionné toutes les œuvres en France avec ma formatrice en scénographie, puisque j'ai été aussi formée en scénographie. On a monté toutes les œuvres, on a sélectionné toutes les œuvres en France et on a fait tout ce projet partir depuis la France jusqu'à ici pour pouvoir proposer il y a déjà 3-4 jours de ça. Mm-hmm. Plusieurs. Voilà. Mm. On a proposé une exposition qui a duré une semaine du 10 au 16 avec d'autres artistes. C'était Vers de terre. Donc c'était une exposition qui regroupait tous les artistes verriers, artistes et artisans verriers qui ont fait la même école que moi et qui sont confirmés. Et puis moi qui venais tout juste de sortir de l'école en fait. Et alors, et ton inspiration c'était le génome, j'ai vu l'identité, voilà. Le génome. Alors oui, j'ai travaillé c'est beaucoup quoi, alors, sur ça, s'il te plaît. J'ai travaillé sur la thématique du métissage parce que c'est une thématique qui me suit depuis l'école d'art, hein, c'était vraiment antécédent à l'école d'art, où je me suis souvent posé la question, mais pourquoi, en tant que Martiniquais, on n'arrive toujours pas à définir notre identité, malgré justement l'évolution de ce peuple martiniquais en tant que Caribéen, en tant qu'Européen, on a une évolution, mais on n'arrive toujours pas à exprimer cette identité. Attends, excuse-moi, je t'arrête deux secondes. Tu dis qu'on n'arrive pas à exprimer? Si on te demande qui tu es, tu dis quoi? Tu es martiniquaise, non? Oui, mais je vais dire aussi que je suis caribéenne aussi. Oui. Mais c'est dans des conversations hein, que j'entendais souvent nos compatriotes avec toute cette difficulté à exprimer toujours nos identités, mmh. qui on est, etc. Et j'ai voulu justement prendre le parti pris de pouvoir exprimer ma propre identité en tant que métisse. Et c'est vraiment ce travail que j'ai traduit dans Génome. Mmh. J'ai vraiment traduit toutes nos identités. Je pars en fait de l'oursin. Oui, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Eh bien, l'oursin, pourquoi l'oursin? Je fais ce rapport entre nous et l'oursin parce que quand j'ai fait mes recherches sur l'oursin, mm-hmm. on se rend compte que dans le biotope de l'oursin, il y a des changements morphologiques qui se font des fois sur certaines espèces pendant leur croissance. Mm-hmm. Et nous, en tant que métis, on peut avoir aussi des changements morphologiques. Moi, je suis née avec les yeux bleus, mais en grandissant, ça a changé. Il y a des gens qui ont leurs cheveux, d'autres qui ont leur couleur de peau, etc. Mm-hmm. Et c'est ce rapport que je fais entre l'oursin et nous, en tant que métis. Et dans ce travail, je renforce la question de l'identité avec mes mains, parce que j'ai moulé mes propres mains pour pouvoir justement donner la dimension humaine, mais c'est aussi la dimension identitaire aussi. T'écoutes attentivement. Oui, c'est très intéressant. Ça te parle, cette idée ou cette question d'identité? Tu ressens ça, toi? Non, pas plus que ça, franchement. J'avoue, des fois, je suis un peu surprise. De la prégnance de ce thème-là dans l'espace public. Voilà. Tu penses qu'au niveau, madame, les gens qui jouent au loto, ils ne se posent pas tellement de questions d'identité. Hein. Enfin, je dis ça, je suis provocatrice exprès. Mais j'ai l'impression qu'au niveau, méta-société, on va se poser ces questions-là parce que c'est des questions politiques aussi. Oui, c'est des questions... Tu en fais une question politique ou pas, toi? Non, j'en fais pas une question politique, mais je me rends compte qu'effectivement, on a eu quand même des événements de société qui montrent effectivement qu'il y a une recherche aussi identitaire. De certaines personnes, De certaines personnes, jeunes aussi, peut-être des jeunes, plus d'ailleurs. Oui, des jeunes. Donc aujourd'hui, justement, je me positionne aujourd'hui dans mon art et j'arrive... J'ai envie de montrer justement, si vous voulez, comment, dans le génome par exemple, j'ai travaillé le rapport justement de nos origines, mais je l'ai travaillé à différentes échelles. Oui. C'est-à-dire que dans ce génome, dans les différents génomes que j'ai présentés, je montre qu'on peut avoir un ratio amérindien qui est beaucoup plus petit qu'un ratio africain, qu'un ratio français, et dans différentes... dans les différents génomes, j'ai changé ces ratios-là pour montrer justement
que nous, en tant que métisses, on peut avoir plus d'Amérindiens, on peut avoir plus d'Indiens. On peut... Et c'est à travers ça que je symbolise, je dirais, les origines que l'on peut avoir. Et comment, voilà, le métissage que l'on peut avoir et comment on peut le percevoir, en fait. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai voulu traduire. Mais toi, ton côté, en fait, ton identité métisse, tu l'as assumée. Tu dis, voilà, j'ai changé. Je l'ai assumée, oui, je l'ai assumée parce que mes parents m'ont aidée à l'assumer. Et puis, je ne suis pas née non plus. Je suis née dans les années 70, mais ça commençait à prendre une certaine ampleur. La Martinique commençait à s'émanciper. On commençait à se poser des questions sur la question de l'identité. Et j'ai évolué dans tout ça, mais j'ai brassé, j'ai grandi justement dans cette culture où... tout m'est venu et ça m'est venu naturellement de pouvoir accepter toutes ces identités-là. Je n'ai pas eu de problème. Oui. En fait, juste, excuse-moi, est-ce que, quand tu dis accepter toutes ces identités-là, en fait, l'identité martiniquaise, c'est une identité qui est constituée de toutes ces parts-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça. Voilà, c'est une identité amérindienne, qui est une identité, africaine, indienne aussi. On a beaucoup parlé de l'indianité sur ce plateau. Africaine, Congo, dernièrement, on a reçu une réalisatrice, Laura Châtenay. Rivaudet qui a fait un documentaire sur les Congos, donc l'immigration congolaise. Il y a eu des travailleurs qui sont venus du Congo après l'abolition. Donc aussi, il y a des noms d'ailleurs qui sont restés. Donc en fait, être martiniquais, c'est tout ça en fait. Oui. Tout à fait. Et c'est ce que moi, c'est comme ça que je vis mon identité métisse. Voilà. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers le verre. Voilà, et à travers ce concept génome. Voilà. Et dans l'autre œuvre que j'ai créée, qui s'appelle Chennai, je me suis laissée inspirer par l'ananas. Les couleurs de l'ananas qui ont évoqué chez moi le madras. Et en faisant des recherches au niveau du madras, je me suis rendu compte que le madras, il était fait dans la ville de Chennai, qui est une ville de l'Inde. Et c'est pour ça que j'ai déjà appelé mon œuvre Chennai. Et j'ai exprimé l'identité indienne à travers cette œuvre-là. J'ai exprimé tous les peuples qui ont colonisé l'Inde de hier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce travail que j'ai montré. En tant qu'artiste, ça vient de loin. Tout à fait. L'inspiration vient de loin. Et ce qu'elle dit, donc, l'inspiration vient de loin, et puis il y a la recherche aussi. Un artiste, ce n'est pas juste quelqu'un qui est juste dans l'improvisation. Non, pas du tout. Tu pourrais être dans ça aussi, parce que tu peux avoir des premiers jets qui sont des jets qui viennent de loin, d'ailleurs, des choses que tu n'as pas forcément conscientisées, mais tu vas chercher... pour nourrir en fait une œuvre qui dit quelque chose et tout à fait. Et mes univers, c'est la faune et la flore martiniquaise. Et dans tout ce que je crée, mais j'ai cette démarche-là, puisque j'ai été formée aussi pour pouvoir avoir la réflexion pour mener un projet et de pouvoir mettre un discours aussi derrière. Et avec tes élèves là, du CERMAC, Tu les amènes à avoir cette démarche de recherche pour pouvoir créer ou pas? Ou bien c'est dans l'instant? Non, là on est vraiment dans tout ce qui est hobby. D'accord. Bon, il y en a qui... Après, ça dépend des personnes, tout ce qu'ils viennent rechercher. Par contre, moi je sais très bien qu'il y a des personnes qui viennent là parce qu'ils ont des projets derrière, des projets de création d'entreprise, qui viennent parce que c'est une formation. Ça peut être aussi une formation pour eux par rapport à ce qu'ils font. Ne serait-ce que les élèves des écoles d'art pratiquer une technique en plus de ce qu'ils peuvent avoir dans les écoles. Vous avez des personnes qui viennent là, c'est pour découvrir autre chose qu'ils ont appris par rapport à ce qu'ils connaissent déjà, de pouvoir découvrir l'art. Ça pouvait être des passions chez certaines personnes et qui aujourd'hui profitent justement de cette pratique pour pouvoir découvrir ce que c'est que l'art verrier. Mais tu ne les laisses pas s'exprimer, en fait. À travers des créations qu'on fait à la fin de l'année, ils s'expriment. Alors moi, j'utilise justement tout ce qui est les perles de verre pour pouvoir aider les personnes à concevoir des objets d'intérieur, d'extérieur, mais aussi à créer des bijoux, à faire des choses qui leur sont propres et puis qui leur... Qui,
ben, qui les ressemblent, en fait. Hein. Ressemblent. Voilà, et c'est à travers ça qu'ils peuvent exprimer, justement, ben, leur vision ben, d'artiste aussi. Voilà, ça, tout à fait. Mais ça t'est déjà arrivé d'aller dans un pays ou te promener simplement au bord de la plage et puis, bon, ça t'a inspiré des œuvres particulières ou non? C'est juste chez toi, tu as, dans ton atelier, tu... Enfin, non, moi, je pense que j'ai toujours été inspirée déjà de la faune et de la flore, hein, déjà, ça c'est quelque chose qui m'est propre, mais je suis toujours inspirée par d'autres choses, hein. J'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai travaillé au Brésil, j'ai été influencée par bien des techniques. Tu étais où au Brésil? Mais j'ai travaillé à Copacabana. D'accord. Donc j'ai travaillé à Rio, en plein Rio. Et j'ai toujours été influencée par mes voyages aussi, à travers mon art. Et des techniques aussi que j'ai pu découvrir ailleurs et que je peux intégrer aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Je pratique pratiquement tous les arts verriers. Ça a été la chance que j'ai. Ceux qui rentrent dans cette école-là, on forme à une spécificité. Mm-hmm. On touche à tout quand on rentre dans l'école, puisqu'on apprend à découvrir les arts verriers. Mais au bout de 2 semaines, il faut faire un choix spécifique. D'accord. Et on doit... Quand on a fait le choix, on doit argumenter pourquoi on veut faire ce choix-là et qu'est-ce qu'on a derrière comme projet. Okay. Mais moi, la chance que j'ai eue d'entrer dans cette école, c'est que je touchais déjà à bien des domaines de l'art verrier. Et c'était cette seule technique qui me manquait. Et aujourd'hui, ben, j'ai un panel devant moi pour pouvoir créer des choses extraordinaires. Et passionnées. Voilà. Oui, oui, vraiment. Mais il nous reste peu de temps, alors je voulais quand même parler de ce Californien. Est-ce que tu connais l'histoire de ce Californien? Le plus gros gain à la loterie dans le monde, c'est quoi? Le plus gros, dis un chiffre. Très bien, toi qui joues jamais. Mais moi, je sais aller prendre un petit ticket après. Le plus gros gain, c'est quoi? Le plus gros gain du monde, de toute l'histoire. C'est pas en France, c'est aux États-Unis. 2 milliards de dollars. Eh bien, tu vois, j'allais dire 3 milliards, tu vois. 2 milliards de dollars au Powerball, jackpot record à la loterie américaine, c'était en novembre 2022. Il n'y a pas si longtemps en plus. C'est milliards de dollars, c'est des PIB de pays ou bien de sociétés, quoi. Voilà, 2 milliards. C'est quoi ce qu'il a fait de cet argent? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Le plus gros gagnant c'est en le 8 France, novembre. C'était 220 millions. C'était, je ne sais plus dans quel drôme, si c'est Tahiti, enfin bon, bref. 102 Et lui, il a fondé... Non, 102 millions. Enfin, j'ai lu 102 millions en février 2023, euro million en France, une sartoise. Non, mais... Ah oui, 220 millions. Je crois que c'est à Tahiti. Mm-hmm. Et donc, il a fondé une fondation pour l'environnement. Ben oui, d'accord. Donc, mais tu ne peux pas faire autre chose. Trop d'argent. 2 milliards, attends, excusez-moi. 2 milliards. Bon, voilà. C'est quelque chose. On vous a peut-être fait rêver. Sans doute. En tout cas, une façon de gagner de l'argent, c'est de travailler. Ah, mais moi, j'y crois. J'y crois, moi. J'ai pas voulu dire ça depuis tout à l'heure. Moi, j'y crois. Mais ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. J'y voilà. crois. Et moi, je me dis que c'est en travaillant que je vais gagner de l'argent. C'est ça que je veux dire. On n'a pas eu le temps de parler d'addiction, parce que l'addiction aussi, c'est un gros truc. Les gens qui jouent. Ben justement, vraiment, la Française des Jeux est complètement et vraiment consciente de ça. Et donc, elle met beaucoup de choses en place pour qu'il n'y ait pas pour lutter contre l'addiction, pour lutter contre le jeu. Le jeu responsable. Le jeu responsable. Et donc, il y a des tests qui sont faits sur... Ah bon? Oui. Il y a des inspecteurs qui vont dans les points de vente régulièrement, plusieurs fois par an. Et effectivement, il y a de l'argent qui est investi. Oui, j'ai vu que les pubs, il y a beaucoup de pubs pour le jeu responsable. Mais c'est surtout pour éviter également que les jeunes, les moins de 18 ans, deviennent addicts. Et c'est un vrai enjeu. Et justement, il y a l'ANJ, l'Autorité Nationale du Jeu, qui veille à cela, pas seulement au niveau de la Française des Jeux, c'est la même chose pour les casinos, c'est la même chose pour le PMU. Mais on est vraiment regardé à ce niveau-là, mais c'est surtout de toute façon un enjeu prioritaire pour Madame Palès. Voilà, le chiffre que je cherche, c'est toujours à me chercher, j'ai trop de feuilles, hein. 10% de l'investissement publicitaire,
de la FDJ donc, est destinée en fait à la lutte contre l'addiction et aux jeux responsables. Oui, mais voilà. Dans les points de vente, ouais. vous avez des petits fascicules et on demande également. On sensibilise en fait. Voilà, les commerçants partenaires, s'ils s'en rendent compte, il faut qu'ils discutent. Ils ont ce rôle, effectivement, ah ouais. de conseiller les personnes, les joueurs qui semblent trop addicts. Oui, voilà, mais bon, c'est vrai que là, on parle des jeux de grattage, des jeux. Bon, il y a autre chose aussi qui crée l'addiction. Et... Vous, c'est effectivement les jeux, enfin le loto, enfin le roumi, etc. Oui, les paris sportifs aussi. Mais il y a d'autres types de jeux. Il y a les jeux, il y a le casino, par exemple. Oui, justement, le casino, il y a le PMU. Voilà, mais ça, c'est pas vous. Non. C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Eux, c'est jeux sportifs et puis... C'est les paris sportifs et le loto, les jeux de loterie. Voilà. D'accord. Les jeux de loterie. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, l'homme dont vous voulez parler à la fin de cette émission? Je dirais aussi mon père. Hein. C'est vraiment... Il n'est plus de ce monde, mais c'est quand même... Il était artiste aussi? Ben, écoute... Non, tu disais qu'il ne voulait pas que vous fassiez forcément... Ah non, c'était ma mère. Hein. Oui. Mon père, je pense que s'il était là, il aurait accepté. Hein. J'étais sa chouchou. Hein. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas de problème hein, pour faire passer tout ce que j'avais à faire passer. Mais oui, mon papa, oui, ça a été toujours... Il s'appelait Charles. Mm-hmm. Ça a été toujours... même s'il n'était pas présent, ça a toujours été mon leitmotiv, mon mentor. Oui. Ton guide. Oui, mon guide. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui, dans sa famille, il y a toujours aussi des artistes, comme dans la famille de ma maman. D'accord. Donc, je crois que... J'ai fait un parcours un peu atypique, mais je suis revenue à ce que je voulais être. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que ma mère, elle n'a pas voulu au début, mais je me suis quand même imposée, je dirais ça. Et à un moment donné, je lui ai dit que je ne voulais pas arriver à 50 ans et ne pas être épanouie et puis être passée à côté de ce que je voulais. Et puis elle a accepté et aujourd'hui, je suis en phase avec ce que je veux faire, je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis elle se rend compte hein, que je suis plus heureuse justement parce que je pratique ce que j'avais vraiment envie de faire. Voilà. Super. Liliane, l'homme que tu voudrais... Moi, c'est vraiment mon mari. Si je suis là aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment grâce à lui. Il m'a amené de la sagesse. Comment il s'appelle Jean-Georges. D'accord. Et c'est vrai que c'est à lui que je raconte mes journées tous les soirs. Il a une oreille attentive. Non, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, il me pousse, oui, il m'écoute, il m'encourage, il est patient, donc oui. Mon Dieu, j'adore cette émission, c'est le moment où il y a des déclarations enflammées, juste avant le jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. C'est vite. Oui. Voilà, c'est passé vite, effectivement. Oui. Voilà la on fin, il reste une minute. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Fabienne? Alors, dit-elle fatiguée. Il y a tellement de choses à dire. Oui, mais bon, il faut conclure. Ce serait quoi ton mot de la fin? Je dirais que par rapport à justement toute cette évolution, enfin cette exposition a mené effectivement tout un engouement parce qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés justement par l'art verrier en Martinique. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent, qui entreprennent et qui aujourd'hui amènent un souffle nouveau. Mmh. Et j'ai envie de dire, bon vent, bon courant, parce qu'on en a vraiment besoin en Martinique. Voilà, on doit aller. Voilà. Liliane, ton mot de la forme, ce serait quoi? Pour moi, c'est croire en soi. Vraiment, on peut y arriver. Même quand on tombe, on se relève. Avec un mari derrière, quand même. Avec Jean-Georges derrière, qui te dit, allez chérie, relève-toi. Non, pour moi, vraiment, c'est ça. Toujours croire en soi, toujours se relever, même quand il y a des... Il y a eu des moments difficiles. Oui, des moments un petit peu difficiles, mais il faut regarder devant. Ouais. Jamais regarder derrière. Je pense que la Martinique, on est en train de passer... Traçons. Oui, on est en train de passer à autre chose. Je sens ça. En tout cas, les femmes portent ça. Oui, les femmes portent. Je le mesure tous les mardis sur le plateau de femmes. Les femmes portent cette énergie. Tout à fait. Qui se mobilise vers... D'où vent, nous vent. Oui. Voilà. Merci, Fabienne. Merci, Liliane. Ça s'en est passé? Oui. Bon. Merci d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis, téléspectatrices et téléspectateurs de Femmes. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve mardi, comme d'habitude, même heure, même antenne, Zitata, 20h05. Bye bye. Femmes. 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 Femmes